faut y voir. C'est pas beau. Il doit pleuvoir normalement aujourd'hui. Je sais même pas s'il pleut déjà là. Donc, du coup, je vais sûrement aller m'acheter un parapluie. Donc voilà, ça va être une longue journée normalement sous la pluie. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Coucou à tous. Il est quoi? Il est 11h15. Donc ça fait... je pars depuis ce matin à 8h. Je devrais arriver à Katsura dans les 13h, 13h30 je pense. Mais je pense que j'irai pas en haut parce que comme vous pouvez le voir il pleut. Je suis à moitié trempée, il y a vachement de vent et du coup mon parapluie toutes les 30 secondes il se casse. Donc voilà, donc même si j'arrive tôt, tant pis, je me poserai dans un petit coin en attendant 17h pour aller à la maison de mon hôte. Que dire de plus? C'est pas évident, hein, sous la pluie comme ça, c'est pas évident de marcher. Et puis j'ai vu plein de montagnes partout. Et c'est là que je me dis, quand je vais devoir en monter une, pardon, ça va être galère. Mais bon. Là, ça sert à rien, même si j'arrive à 13h. Je pense qu'il me faudra au moins 2 heures pour monter jusqu'en haut, donc ça fait 13, 14, 15, maximum 16 heures, sauf qu'après il faudra que je redescende. Et vu qu'il va beau, il va faire nuit plus tôt, et du coup ça sert à rien de prendre des risques pour rien, et comme il pleut, ça va être bon, pratique et tout, donc voilà, bref. Je continue à marcher jusqu'à Katsura, et puis voilà, on se retrouve directement sur place. Bon voilà, je suis arrivée à Katsura. Là je vais aller au Combini et juste derrière je crois que c'est ce que je vais devoir escalader demain. La première des deux montagnes que je vais devoir escalader, je crois que c'est celle qui est derrière. Autant vous dire que ça va être compliqué. Voilà, je fais un petit peu le tour. Je crois que mon hôte il habite par là-bas. Mais il est beaucoup trop tôt donc on s'en fout. Mais voilà, je vais aller acheter à manger et puis je vais essayer de me poser quelque part. Voilà. Voilà, je me suis posée avant d'aller acheter à manger. Donc il est midi et demi. Voilà. Je fais une 20aine de kilomètres. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc ça fait une petite journée encore une fois. Hein. Mais je pourrais éventuellement faire le temps plus suivant. Mais il faudrait que je fasse 5 km en plus, donc en montée. Mais il faudrait forcément que je le fasse demain aussi. Normalement. Donc ça sert à rien. Vaut mieux que je me repose et que je sois enfin demain matin pour faire les deux montées. Donc pour aujourd'hui ça va être terminé. Sur le chemin, hop, j'ai une mamie japonaise qui m'a offert ça. Donc ça c'est un petit gâteau, ça fait un peu penser comme ça à un macaron, j'ai l'impression. Et je pense qu'il y a du haricot rouge dedans, je pense. Mais c'est pas grave, je mangerai quand même parce que ça me fait super plaisir. Voilà, ça me fait un petit cadeau. Donc là, je vais ranger un petit peu mes affaires. Ensuite, je vais éviter à manger. Puis je pense que je vais rester ici de toute façon jusqu'à 5h. Voilà. Je me rends compte qu'en fait, si j'étais partie un petit peu plus tôt et que du coup j'avais fait ensuite les étapes suivantes, j'aurais pu gagner une journée parce que j'aurais pu directement m'arrêter peut-être après. Deuxième col. Donc c'est dommage, j'ai peut-être un petit peu sous-estimé ce que j'étais capable de faire. Ou peut-être pas, je sais pas. Donc j'hésite parce qu'il est quand même tôt, il est même pas 13h. Est-ce que je vais faire le premier temps, puis après je gagnerai du temps un petit peu sur le deuxième demain? Mais demain, de toute façon, je fais que ça. Je m'arrête juste en bas. Donc, parce que ça, j'ai pas le choix, parce que après, ça fait vraiment trop loin. Donc, je sais que je suis obligée de faire cette étape intermédiaire demain. Je vais m'arrêter en bas de la montagne. Donc, je crois que je vais pas me prendre la tête. Non, je vais pas le faire et puis je vais attendre demain. Bon, bah voilà, pour cette nuit, je vais dormir dans cette pièce. Sur ce truc-là. Il est gentil, il m'a ramené des couvertures parce que oui, il fait froid. Bon, moi je suis pas très douillette donc ça va. Sauf si c'est de couverture, je crois. Et voilà, je paye 10€ pour la pièce pour la nuit donc voilà.